を待ってろ。Ça promet, hein, franchement. Après cette belle intro, franchement, c'est juste un truc de fou. Donc salut tout le monde, c'est Wake. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est une vidéo de découverte de Forza Horizon. Oh mon dieu, bon, je vais le lancer, je vais pas perdre de temps. Donc c'est la toute première fois que je le lance. Ok, donc vous pouvez voir qu'il est 23h, on s'en fout au pire. Putain, je peux pas rester concentré sur ce que je veux dire. Donc à peine visible, je vais le mettre comme ça, ouais, comme ça, voilà, à peine visible. Ouais, c'est bon. Sous-titres activés, allez hop, on y va. Donc voilà, c'est la vidéo découverte donc de Forza Horizon qui sort le 26 octobre. Nous sommes donc aujourd'hui les 24, elle sera disponible donc pour demain, je crois. Ouais, si j'ai le temps de faire le montage, ou au pire pour le jour même du jeu, de la sortie du jeu, je veux dire. Et puis on va le lancer. Allez, mode solo. Il y a mode multi, donc je sais pas si je vous ferai du multi, on verra. B-boy, superstar DJs. Here we go. Forza Horizon. Donc bon, vous l'aurez compris, c'est un jeu de voiture. Hein. Et puis bon, qui connaît pas Forza, franchement. Chaque joueur de Xbox 360 connaît Forza, je suis désolé. Forza, la simulation de jeu de voiture par excellence. Bah donc là, c'est pas une simulation. Enfin, je pense que dans le gameplay, ça va être un petit peu pareil que dans les anciens Forza. Juste un petit peu amélioré pour la conduite en dehors. Donc là, vous l'aurez compris, c'est pas de la conduite en piste. Donc c'est pas de la course, la vraie course. Si j'ai bien compris, c'est un monde libre. Je suis pas sûr, j'ai lu un petit truc dessus que c'était pas sûr, que c'était pas... On verra, tout simplement on verra, la vidéo est là pour ça. Je vois pas pourquoi je vous raconte des conneries là. On va essayer de voir ce que ça donne. Donc ça va copier un Midnight Club, non je pense pas, je pense quand même pas que ça va, on pourra pas se balader. Eh, je connais cette musique. Le mec il est fier, je connais! Ah non, c'est un remix. Hey guys, you're listening to Horizon Base Arena okay. With me, Scott Tyler, on the first day. Putain, la caisse, c'est une Viper ça. Ah ouais, la classe. Ah bah si, je connais le son. Je connais le son. Mais le mec il est fier, putain, je connais le son!
C'est... Je crois que c'est Rusko ça. Non, c'est Netsky, oh, je pense, oh, je sais plus. Ok, ça joue. Oh putain, c'est beau. Oh, franchement, c'est grave. Oh putain, c'est... C'est magnifique. Oh putain, oula. Ah ouais, d'accord, donc on a des sons comme ça, d'accord. J'aime bien, c'est des sons qui ambiancent ce truc. Putain, que c'est bien foutu, sérieux. Attendez, attendez, est-ce que j'ai une vue intérieure? Oulali. Waouh. Oh merde. Ah voilà, j'ai une vue intérieure, c'est magnifique. Allez, on y va. Allez. Allez, 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 allez. Ah franchement, c'est joli, hein. C'est joli. Bon, graphiquement, ça ressemble à du Forza 4, hein. Je vois pas pourquoi il changerait. Jusque là, putain, les effets... Attends, je vais me remettre en vue extérieure pour regarder ça. Les effets de lumière et tout, c'est magnifique, franchement. Il est joli, ce jeu. En tout cas, d'après ce que je vois maintenant. Oh, putain. D'accord, donc je crois qu'en gros... Attendez, attendez, comment on fait pour rebobiner, là? Je peux pas reprendre. Putain, je suis pas concentré, en fait, sur la route, là. Je fais n'importe quoi. Bon, on va essayer de se la jouer mieux que ça. J'ai l'impression que c'est un Need for Speed, en fait. Pour ça que je trace comme un ouf, mais non, en fait, faut freiner, faut... Là, c'est de la simulation. Oh, putain, je l'ai dégommé. Oh, ouais, voilà, voilà comment défoncer une Viper. C'était un cours comment défoncer une Viper par Wake. Merci, merci. Merci. Je vais quand même essayer de me concentrer un petit peu, là. Ah, d'accord, ok, c'est Y pour rembobiner, en fait. Ok. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Oula, qu'est-ce qui lui arrive avec ça? C'est une Golf, ça. Volkswagen. Je suis sûr que ça va être ma caisse, ça, dès le début. Oh putain, je veux la Supra, moi. Je veux la Supra. Oh putain, je la veux, je la veux. Vas-y. Oui. Au pire, la Evo, là, elle est bien aussi. Ouais, pas mal tout ça. C'est pas mal tout ça. Putain, je la veux, la Supra. Ah, cette caisse, quand elle est bien équipée, c'est juste... C'est un tank. C'est un char d'assaut, ça, rien. Ah oui, d'accord, il y a de la SS, là. Ah, il y a de la Camaro, là. Ce que j'aime bien dans les Forza, c'est la modélisation des voitures. C'est juste un truc de malade mental. C'est magnifique, c'est sublime, franchement. Ah, je suis sûr que je vais me taper la Golf. Voilà, je le savais. Je me tape la Golf. Foncer vers le festival. Ah ouais, d'accord, en fait, je peux me balader, quand même. Enfin, quoi que c'est pas vraiment de la balade, mais... Je dois suivre la troupe. Putain, c'est pas mal fait, sérieux. C'est magnifique, au niveau des graphismes, franchement, il n'y a pas mieux, on peut pas faire mieux, là. Ah ouais, on peut pas faire mieux, franchement. C'est beau, ça, les décors et tout, c'est un truc de fou. Oula. En même temps, on s'est habitué au Forza, hein. On s'est habitué au studio Turn 10, ils nous font que des trucs... Turn 10, Turn 10, vous appelez comme vous voulez, ils nous font que des trucs de fou. Ah ouais, non, franchement, c'est magnifique. Putain, je sais pas quoi dire, putain. Oh là là. Là, je préfère celle-là, elle est plus maniable que le Viper. En même temps, elle va moins vite aussi. Allez. Putain, lui, il a une Corvette, il a du mal contre moi. Oh merde, là, je roule comme une couille, là. C'est pas bon, ça. Allez, frein, 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 frein. Oh, 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 drifter. Je drift dans l'herbe, ouais. Ça existe, bien sûr. Bien sûr. Oui. J'ai raté les conneries. Putain, mais là, j'arrive pas à les dépasser, là. Ils sont... Allez, je passe en vue. Oula, je passe en... Oh, oh mon dieu, cette classe. Oh, dommage. Je passe en vue intérieure. Putain, c'est joli, putain. C'est un truc de fou, les gars. Je suis bluffé, là. Je sais pas si ça va bien rendre sur YouTube, mais c'est... J'ai l'impression d'être sur un jeu PC, en fait. C'est fin. Les textures sont... Je sais pas, c'est beau, c'est beau. Je sais pas quoi vous dire. En tout cas, il a l'air super, ce jeu, pour l'instant. Mais bon, après, ça reste à voir... Qu'est-ce que le vrai but du jeu? Si c'est que des courses, franchement... Ok, rebobinage. Si c'est que des courses toutes basiques et tout, ça m'intéresserait pas, franchement. Autant jouer à un Forza 4. C'est ça qui me fait peur dans ce... Oh là là, c'est magnifique! C'est ça qui me fait peur dans ce Forza Horizon. Moi, je...
Forcément, moi, ce que je pensais de ce Forza Horizon, c'est qu'il serait, vous savez, comme un test drive. Je sais pas si vous connaissez Test Drive Unlimited. C'est, on peut se balader dans la ville, on peut aller, on doit chercher nos courses, on peut chercher nos courses, pas pas faire les courses, hein. C'est oh putain, il y a une Sylvia, elle est belle devant. C'est, ah, ça c'est moi, d'accord. C'est bah aller aux courses là pour faire les courses, quoi. Les courses de voiture, je répète, hein, pour une fois. Hein. Hop, c'est fini. Ferme la barrière. Tu es qualifié. Ah, d'accord. Et ton sticker d'accès, une carte passe, d'accord, ok. Ok. Les voix, elles sont pas mal quand même. J'aime bien sa voix, elle. Bienvenue à Horizon. Ah, c'est la ville qui s'appelle Horizon, peut-être. Ou c'est peut-être le tournoi qui s'appelle Horizon. Putain, y'a du lourd comme son quand même là. Ah ouais, pas mal quand même. Ah ouais, d'accord. Mr. Tak has problem with my car, I think. Damn right. You need to swap out these fancy shocks for something a farmer would recognize, or you don't race. Yes, Mr. Tak. Yeah, the trouble with you kids these days is you try bending the rules before you learn the game. Hey, 95 VW Corrado. Used to own one myself. Of course, I looked after mine. Turn her over. Timing's off. Oh putain, ce bruit. Right side, this fine automobile shouldn't get. Désolé si je parle pas, je suis. Hein. Il y a l'air d'avoir une histoire dans ce jeu, c'est rare dans un Ford Hub, c'est la première fois que ça se voit. Ça fait bizarre, je pense que ça me fait bizarre de voir ça. Sur un Ford Hub, ça fait. C'est plus un Need for Speed là pour moi. D'accord. Bon. Écoutez. Avant-poste Horizon. Veuillez pas sortir d'accord, cette charge. Putain, elle est magnifique cette Viper, c'est un truc de fou! Putain, je vendrais Bastos pour cette voiture. Je le vends direct, rien à foutre. Rien à foutre. Je vais arrêter de dire la connerie. D'accord, j'ai une Volkswagen Corrado, c'est ça, VR6, hein, c'est la voiture que j'ai. Éliminatoire d'Horizon. Bon, je dois y aller. Ah, d'accord, en fait, je mets l'itinéraire et moi je dois y aller après. Ok, je vois le délire. Ouh. Allez, j'y vais. Ah, je peux changer de son, d'accord, comme ça, ok. On va, y'a quoi comme son là? Bienvenue à Horizon, d'accord. Non, il me faut un truc sympa là. Non, pas radio désactivé. Attendez. Il me faut un son là. Ça, non. Ouais, il est bugué le truc, je crois. J'ai l'impression qu'il ne. Il n'y a qu'une seule. On va laisser ça, les Base Arena. Allez. Non, franchement, c'est sympa. Hein. Après, bon. Oh merde! D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Oulala, c'est. Ah, c'était là! Ah, d'accord! M'inscrire. Bon, moi je veux voir si c'est vraiment un monde ouvert. Franchement, j'ai pas l'impression. Hein. C'est bien ce que j'avais lu. Hein. J'ai vu qu'il y avait des mecs qui se plaignaient un petit peu de ça, qui se disaient que c'est un faux monde ouvert. On va voir ça. Oh putain, ah, regardez déjà, c'est une piste là pour moi. Je peux pas sortir, non, je peux pas sortir là. Ouais, bon, c'est que le début, on va voir après. Oh putain, cette espèce de bruit que j'ai fait. Je sais pas ce que c'était. Allez, par contre. Ce qui est de la technique, des graphismes et tout, c'est magnifique, c'est sublime là, putain, tu peux pas faire mieux. C'est abusé sur les rayons de bah, les rayons du soleil et tout, c'est un truc de fou. C'est un truc de ouf, les mecs, je suis choqué. Bon. Putain, mais tu me disais quand je jouais à Gran Turismo 1 sur PS1 qu'il allait avoir des jeux comme ça. Mais je t'aurais. Je sais pas ce que je t'aurais fait, je t'aurais craché dessus. Je suis comme ça, moi, les mecs. Je crache sur les gens. Les gens que je crois pas, je leur crache dessus. C'est bizarre.
Et participer. Putain, mais il faut que j'arrête là. C'est toute ma vie, je dis des conneries, mais faut que j'arrête ça, c'est pas possible. Allez. Bon, c'est un spin-off des Forza, je pense que vous l'avez compris, c'est un hors-série qui suit pas la trame des Forza, donc des jeux de simulation purs et durs, hein, avec des réglages de trucs de fou. Quoique, peut-être qu'il y a des réglages et tout, hein, mais ça se veut plus. Ça se veut plus comme Dirt, comme Grade, comme ces jeux-là. Hein. D'accord, c'est sympa, ça ferait un bon jeu, je suis sûr. Déjà, les graphismes m'ont bluffé, donc rien que ça, c'est bon. Comment cette difficulté? Oh putain. Je crois que je vais mettre en normal, hein. Moi, je suis pas un pro, je suis pas un pro de la conduite, je pense que vous le savez. Oh merde, putain, j'ai failli tomber de ma chaise là. Intermédiaire, voilà, c'est intermédiaire. Je vais mettre la boîte de vitesse, j'aime bien en manuel, mais je sais pas si c'est Forza 4, c'est comme Forza 4. Bon, on va laisser en manuel. Si c'est comme Forza 4, bah ça. Ah, quoique, non, attends. C'est Forza 4, c'est. Ah, si, c'est bon, ça doit être ça. Bon, bah, on essaye, hein. Ça aussi, je connais ce son, je connais ce son. Putain, mais voilà, c'est Icarus, c'est Madeon. Putain, mais il y a des sons de ouf, franchement. Ah ouais, c'est du lourd. Ah, en fait, d'accord, c'est des courses. Ah bah c'est bien quand même. Ça va ravir les fans de jeux de voiture. Je t'ai précisé que j'ai pas joué à la démo et tout le bordel qui suivait derrière. J'ai attendu le jeu bah, pour m'émerveiller sur cette perle. Oh putain. Allez, moi je rétrograde pas. Eh ouais, madame, c'est comme ça qu'on fait. Regarde-moi ça. Oh, oh. Moi, je vais arrêter de folle. Oh merde. Je vais commencer un peu à partir en couille. C'est bon. Ah, là, je rétrograde par contre. Allez. Putain, il y a du bon son en plus. Du Madeon, les gars. Eh. Avec ta Honda là. Dégage ton camion de poubelle là. Oh, c'est comme ça qu'on fait, voilà. Le premier s'appelle Gilbert. J'aime bien. J'aime bien ton blaze, mec. Ouais. Oh là là là. Oh, magnifique. Putain, je le dépasse à l'intérieur. Mais c'est du wake, ça, les mecs. Ouais, non, pour l'instant, ça va. Là, je gère pas mal. Putain, il y a des bons sons. Hein. Icarus, putain. Ah ouais, carrément, je lui mets la tempête, là, attends. Oh, hey, mais je les ai largués, les mecs. D'accord, c'est moi qui est trop bon ou c'est le jeu qui est facile? Non, je vais arrêter. Le mec qui se la pète et tout, ouais, c'est moi qui est trop bon. Non, c'est juste parce que c'est le début du jeu, je le sais bien, les mecs. Hein. Je sais qu'après, je vais me faire rétamer, mais d'une puissance, ça va être hardcore. Ouais. Et il franchit la ligne. Cool. Premier, cool. Bon, là je gagne des sous. Et en plus, avec le pilotage en manuel, ça me rapporte plus de points. C'est ça que c'est bon, comme diraient nos amis. Les toasts. Les toasts. Ça, les toasts, les Portugais. Bon, les Portugais, au pire. Hein. Bon, qu'est-ce que je pense de ce jeu? Bah, franchement, pour l'instant, je suis assez content. Même si, bon, j'ai. Après, c'est que le début, peut-être qu'il y a vraiment un mode. Un mode libre où on peut se balader et tout. Franchement, je kifferais. Mais à mon avis, ça va être que ça. Regardez, on va lui donner des points. Nous, on doit mettre l'itinéraire et après y aller. D'accord. Et c'est sûr qu'après, il y aura des concessionnaires, des trucs comme ça, on pourra acheter des voitures et tout. D'accord. Parce que franchement, si c'est toute cette map là, c'est énorme. Ah, c'est que des routes. Ah, ouais, d'accord, ok. Je crois qu'on peut aller dans tout ça, mais c'est que des routes. Au pire, on verra pour la suite, c'est tout. On verra. Putain, c'est quoi ce truc? Une course Mustang versus Mustang, mais j'ai pas de Mustang, mon pote. C'est pas grave. Ah, si, voilà, regardez, là je suis dehors. Là. D'accord, là on va se balader. Ah, oui, j'ai oublié que j'étais en manuel. Là. Oula, non, mais putain, mais c'est n'importe quoi. Je me suis fait flasher, les mecs.
me suis fait flasher. Ok, bon bah go. Eh, je m'en fous de m'être flashé, moi je suis un gangster, moi je viens de la rue, moi. Oui, madame. Oh merde alors. Putain, non mais franchement. D'accord, lui il roule en Supra d'or, comme ça, tout va bien. Oh, quel pilote. Non, franchement, putain, c'est un truc de dingue. Il est sublime, ce. Oh merde. Putain, je peux pas sortir de la voiture là. Ah putain, pourquoi c'est pas Steppin' Dogs ou GTA là. Enfin. Il a une R1. Je sais pas ce que c'est comme caisse, mais. C'est un truc de du Mans là, c'est un truc de fou ce truc. Bref. Bref. D'accord, en fait je crois que ça sera pas vraiment un monde ouvert, hein. Ça sera plus comme ça. En fait c'est des routes mais qui sont déjà tracées, c'est le jeu, c'est. C'est linéaire, voilà. C'est comme un Call of Duty. Tu crois que c'est tu peux aller partout, mais non. Pour un jeu de bagnole, ça va encore. Allez. Allez, allez, allez. Hop, là, je suis arrivé. Ah, d'accord, en fait, pour m'inscrire, il faut que j'arrive ici. Hop, m'inscrire. Je fais back. La voiture fournie. Ah, d'accord. Si je gagne la Mustang. Ah, c'est mortel. Allez, go. Putain, je sens que je vais le torcher, ce jeu, ça va être hardcore. En général, les Forza, ils ont une putain de durée de vie, donc là, ça va être... Pour vous dire, j'ai même pas fini encore mon Forza 4. Ah, que ça fait un an qu'il est sorti. Donc là, franchement, je vais le torcher, mais ça va être un truc de fou. J'aime bien les jeux de caisse des fois. Je suis posé dans mon lit, je joue. Dommage que j'ai pas de volant. Putain, mais pourquoi je vous parle de ça, moi, c'est un truc de fou. Bon. Un petit chargement. Oh merde, putain, la Mustang. Mais c'est un camion. Je vais me faire défoncer là. Ah mais je roule avec. Ah oui, d'accord, ok. Bah écoute, c'est mortel. Hein. Oui, oui, bien sûr, mademoiselle. Par contre, c'est en anglais, c'est bizarre ça. Je crois que c'est en voice. Le jeu, il est en voice, je crois. Hein. Parce que c'est la première fois qu'on a des voix sur Forza, donc voilà. Bon. Ah, c'est un contre-la-montre. Ou c'est un rallye, ou je sais pas trop quoi, mais. Par contre, celle-là, elle est dure à manier. Ça aussi, je connais ce son, ça. Putain, mais c'est un truc de fou, il y a que des bons sons, là. Oh merde! Il est sérieux, lui! Il m'a fait flipper, l'enfoiré. C'est normal, l'avion, il passe. Putain, elle a un bruit, la Mustang, oh lolo! Oh, on freine, madame, voilà. Oh, oh là, on freine, mademoiselle, c'est comme ça qu'on fait. Allez, rétrograde, on prend un petit peu de vitesse. Allez. Je crois que c'est le principe du rallye, là, c'est faire le meilleur temps. Enfin, je sais pas, je connais rien du tout au rallye. Donc, les connaisseurs me rectifieront. Je pense qu'il faut faire les... On a des segments, en fait, des phases, il faudra faire le meilleur temps. Ah, putain, j'ai oublié de passer la vitesse. Il faudra faire le meilleur temps pour passer... Là, si tu fais mieux que l'autre, tu passes premier. Donc là, je viens de faire mieux que l'autre. Je suis passé premier. Oh lolo lolo. Allez, je passe quand même en vue un petit peu intérieur. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir à quoi ça ressemble. La jouabilité avec ça. Ah d'accord, je peux regarder comme ça sur les côtés et tout, d'accord. Moi, il y a un jeu qui m'avait bluffé au niveau de... Ah, au niveau de la vue intérieure, c'était Shift 2. Need for Speed Shift 2. C'était un truc de malade mental, franchement. Puis t'avais la voiture qui vibrait, qui bougeait et tout. Ah, j'avais adoré la vue intérieure de Need for Speed Shift. Mais j'avais adoré le jeu tout simplement aussi, il était bon. Hein. J'avais bien aimé. Ouais. Allez. Et bon, n'empêche qu'elle est. Ah, elle est pas mal cette vue intérieure là aussi. La vue des Forza est pas mal aussi. Allez. Oulala, oulala, là là, là là. Parce qu'on a vu une vue casque en fait dans. Dans Shift 2, alors, il y a beaucoup de personnes qui avaient pas joué avec. En fait, on a une vue casque et on a une vue bah, comme celle-là, là, une vue cockpit. Mais la vue casque, elle était tellement réaliste, c'était un truc de malade. C'est quand tu tournes la voiture, ta tête a bougé et tout. Enfin, bref, enfin, pas ta tête, pas ta vraie tête, hein, ta tête dans le jeu. Le mec qui tourne son fauteuil et tout. Bon, bref,
Oh merde, attends, je suis pas concentré là. On rentre là-dessous. Allez. Là, pour l'instant, je gère, là, c'est un truc de fou. Eh ouais, les mecs, c'est Shuma Wake. C'est plus Schumacher là. Je connais Shuma Wake. Alors, moi, il y a une vue que j'aime pas dans les jeux de voiture, c'est la... celle-là, voilà. Alors, j'ai beaucoup de monde, je connais beaucoup, beaucoup de monde qui adore cette vue. Mais ça, c'est une vue pour les puristes, ça, c'est pour les mecs qui sont à fond dedans et tout. J'aime pas, je sais pas pourquoi. C'est soit cette vue-là, ou soit la vue intérieure, cockpit. Première place, j'ai fini encore premier. Je suis encore premier, mais que demande le peuple, c'est un truc de fou. Allez, continuez. Bim! C'est bien foutu en plus de bordel là. Prime de récompense. 5000. Nouvelle voiture gagnée. Ouais! Ford Mustang. Ok. Bon bah, je pense qu'on va s'arrêter là, ça fait quand même 26 minutes. Bon, je vais aller jusqu'à 30 minutes, je vais encore faire une petite course ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'on va traîner, hein, si on le peut vraiment. Hein. Et. Voulez-vous monter dans cette voiture? Oui. Je vais quand même la prendre, attendez quand même pas, je vais me gagner. Et puis non, franchement, c'est un bon jeu, c'est un bon jeu. Tout amateur de jeu de voiture, si vous hésitez entre ça ou un autre jeu de caisse, franchement, il a l'air pas mal celui-là. Mais après, ça dépend de l'autre jeu de caisse aussi. Parce qu'il y a Need for Speed qui va sortir bientôt là. Need for Speed, non, comment il s'appelle? Most Wanted, voilà. Qui va sortir, et il y a quoi d'autre comme jeu de bagnole, attends. Bah y'a que ça, avec Need for Speed je crois, et celui-là. Donc à voir, peut-être attendez la sortie de Need for Speed pour... Bah, je vous en ferai une vidéo pour, voilà, vous verrez ma vidéo et vous ferez une idée du soft. C'est quoi ce truc? Bon, on va aller jusqu'à là-bas, et on s'arrêtera là. Et moi je continuerai, je vais continuer. Oh non, enfin, parce que ce pleut. Ce jeu a l'air de me plaire, j'ai mélangé tout le bordel. A l'air de me plaire, non, ce jeu me plaît, tout simplement. Il a l'air super. Mustang, putain qu'elle est magnifique. Allez. Let's go. Ok. Putain, c'est beau ça, les couleurs et tout. Ouais. Je sais pas s'il y a un... Ah si, je crois qu'il y a une gestion de la météo quand même. Pas de la météo, non, de la journée, je veux dire. Ah, je peux faire du drift là. Ah ouais, d'accord. Oh, magnifique. Et parce que c'est une propulsion, je crois, cette voiture. Hein. C'est pour ça qu'elle peut bien drifter. Avec une 4 roues, c'est un peu difficile. Oh merde. Oh. D'accord, donc ça sert à rien, je tente pas le drift. Je suis mauvais pour ça. Oh merde. Merde. D'accord. C'est pas grave. Qu'est-ce que je disais juste avant? Donc je sais qu'il y a une gestion de la journée parce qu'on a vu la nuit dans l'intro là. Mais je sais pas si par exemple il va pleuvoir, il va neiger ou je sais pas. Ça reste à voir, hein, je vous dirai ça dans les jours à venir. Quand j'aurai bien torché le bordel, bah tiens, les vaches va commencer à faire nuit, donc on aura la nuit en pleine vidéo. C'est magnifique, comme ça vous aurez tout vu. Oh, le truc qui fait mal à la tête, le truc qui défonce la tête. Oh merde, attention. Attention, attention, attention. Je vais mettre en vue un T. Ah, la queue 4 vitesses. Ah, ouais, d'accord, je comprends. Allez. Putain, c'est sympa, franchement, c'est pas mal. Sérieux, c'est pas mal. Putain, tu peux te balader comme ça et tout. Oh, merde. Maman. Bon. Ah oui, si j'ai oublié de rétrograder aussi, ça ne va pas marcher. Allez. Allez, d'accord, donc ça donne ça, le coucher de soleil. Et là, on commence à sombrer dans la nuit sombre et lugubre et bref. Putain, il allait vite, lui. Oh là là, magnifique. Ouais, d'accord, en fait c'est un semi-mondo, hein. c'est bien ça. D'accord, il doit y avoir deux ou trois villes en fait qu'on peut traîner vraiment.
Et le reste, ça se fait comme ça sur des routes où on peut pas sortir. Par exemple, là, si je veux aller à gauche, là où il y a les arbres et tout, bah, je peux pas. Alors que dans le test drive et tout, je pouvais. Oula! Là, on est sur de la route, sur de la route, sur de la route. Et puis, bah, sur de la route, simplement. D'accord, en fait, les radars, ils sont. On doit y passer le plus vite possible. Enfin, le plus vite. Ouais, bah, c'est ça, oui, le plus vite possible. À la vitesse la plus haute possible. Ok. Alors franchement, c'est pas mal. Même la nuit, là, je vois que ça rend bien et tout, c'est magnifique. Putain, mais. Ce jeu. Non, ce jeu, techniquement, c'est. C'est un monstre. C'est un char d'assaut, ça. Faut pas déconner. Et alors, tous les Forza, c'est. Bah, depuis le 2, hein, c'était un truc de malade encore. Depuis le 2, franchement, c'est. C'est que du lourd. Ouh. Que du lourd. C'est où? Ah merde. C'était derrière. Bon bah voilà, ça fait combien de temps là? Ça fait 31 minutes. Je vais m'inscrire à ce truc là et puis. Hop là, participer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo sur Forza Horizon. Donc un jeu que je conseille pour les amateurs de jeux de voiture, mais pour tout le monde aussi, pour si vous voulez rouler. Rouler dans le jeu, hein, bien sûr. Je pense que vous m'aurez compris. Je sais pas pourquoi je précise des conneries comme ça, moi aussi. Je vous dis ciao et puis à la prochaine, les gars. Ciao. Bullseye.